Il y a le Printemps de Bourges, les Francofolies de La Rochelle, il y a aussi Chorus, le Festival des Hauts-de-Seine. Chorus fait cette année ses 10 ans. C'est désormais l'un des rendez-vous de la chanson française avec ses découvertes et ses talents confirmés. Marie Berrurier, Michel Rey. De la chanson française et francophone, des villes entières qui se mobilisent pour accueillir des artistes connus ou qui vont vite le devenir, la recette Chorus a fait ses preuves. Après 400 000 spectateurs et 10 ans d'existence, le petit festival a atteint sa maturité. Cette année, c'est tout le département des Hauts-de-Seine, 36 communes, qui accueillent 150 spectacles. C'est trois fois plus qu'au début de Chorus. Lorsque c'est éclaté, il est très difficile de faire comprendre que pendant trois semaines, dans des lieux différents, avec des gens différents, on fait un événement fort. Donc c'est une difficulté de communication. Mais il était vrai que le jeu était de faire vivre tout un département, de faire vivre toutes les villes. Alors, Fanny, c'est Agnières. Il reste place. La mise en voix, c'est beaucoup les problèmes techniques. Hein. Justement, là, on était en train de voir avec notre conseiller technique justement les soirées qui étaient un petit peu difficiles, délicates à ce niveau-là. Et puis, les angoisses aussi, bien sûr, c'est les taux de remplissage. Quoi. On a toujours peur que les soirées soient vides et que les artistes soient un peu déçus. Accueillir Jane Birkin, Jonas ou Eddie Mitchell dans des petites salles, 1000 places maximum, c'est aussi l'un des paris de Chorus. Et en général, ça marche. Reste que pendant trois semaines, tout le staff est sur le qui-vive, tout en préparant déjà le festival de l'année prochaine.